Bonjour, bonjour, bonjour famille, bonjour Nathalie Da Silva, bonjour, bonjour à Jean-Claude Kwame, bonjour à Maman Bodio, autorité Maïsan, bonjour. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, soyez honorés chez vous et bien la santé de fait dans vos familles respectives et aussi dans votre entreprise. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai intitulé ce direct, Ayolande Bakayoko et au Ouagadougou. Vous voyez, chers frères et sœurs, il y a dans l'existence de l'être vivant qu'on appelle homme, trois étapes. Bonjour, autorité Étienne Bishop Melchisédek. Il y a l'homme en esprit. Il y a l'homme en âme et il y a l'homme en chair. C'est cette trinité-là qui fait que, par existence, on arrive à laisser un nom sur la terre et sur la terre des hommes. Avant que cette trinité ne fasse de l'homme ce qu'il est, l'homme vit en société. Et dans cette société-là, on essaie tant bien que mal, selon la loi divine, on essaie tant bien que mal, selon les aspirations et les choix qu'on fait, de poser des pas qui nous sied ou de poser des pas qui peuvent nous détruire. Vous voyez ça, ce qui est là, à une forme qu'on appelle la croix. Aujourd'hui, pour des croyances comme la croyance religieuse, pour ne pas dire la croyance chrétienne, des gens définissent la croix comme étant un symbole de sacerdoce à l'Église catholique. Les gars définissent la croix comme étant un symbole de l'existence de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont chrétiens. Mais en réalité, ce que je dis, vous pouvez vérifier, la croix existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Cette croix, la croix est un supplice de la Rome antique. Dans la période des César et autres à Rome, dans la période de, vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Spartacus. Ce n'est pas seulement un film, c'est des faits. C'est dans l'histoire de la Rome antique. Dans la Rome antique, la croix servait de pièce de supplice. Lorsque tu commets un acte, on te met sur un bois placé en forme de croix. Voilà l'existence de la croix. La croix n'est pas ce que on dit être comme étant le symbole de l'Église catholique. Ou le symbole du christianisme, ou le symbole de l'existence de Jésus, ou la douleur, pour ne pas dire la croix de Jésus. Cette croix signifie simplement à Rome que l'acte que tu as posé, en fonction de la gravité, tu vas passer sur la croix. Donc, la croix signifie ce que tu portes sur toi, toi, en tant qu'homme. Le choix que tu fais de ta vie. Comment tu mènes ta vie. Quelles sont les relations que tu entretiens avec ton prochain. Voilà, c'est toute cette entité-là qui fait l'homme, la spiritualité, l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à Yolande Bakayoko et au Ouagadougou pour parler de quoi? Ils ont un fils qui s'appelle Ahmed Bakayoko, qui pour moi est l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Qui est Ahmed Bakayoko? On va le dire simplement avec les mots de l'hommage que lui ont rendu ses partenaires des médias français. On va écouter ensemble. Je tiens à saluer Nathalie Sada Silva, que je suis content de voir, il y a longtemps, je ne l'ai pas vue. Arlette Tiefi, Goubli, David Johnson, Raymond Ebiele et tous ceux qui me suivent. Qui est Ahmed Bakayoko? On va résumer simplement dans les mots de ses amis. Les amis de la Côte d'Ivoire en matière de communication,
pour qu'on puisse faire un résumé succinct avant que je m'adresse à Yolande et puis au Ouroudougou. Alors, camarades, je vais vous faire écouter ici comment est-ce que les camarades de Ahmed Bakayoko parlent de lui même en hommage. Vous allez écouter mot pour mot ce qu'ils diront. Alors, soyez très attentifs. Soyez très attentifs. On y va, écoutez. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis le 18 février avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Ahmed Bakayoko était la figure la plus en vue de la scène politique ivoirienne et nombreux sont ceux qui l'identifiaient comme présidentiable. Son portrait avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansani. C'est sûrement celui qui aura connu la plus fulgurante ascension politique sur la scène ivoirienne. Né le 8 mars 65 dans la commune populaire abidjanaise d'Adjamé, Ahmed Bakayoko se laisse vite séduire par la politique en militant sur les campus ivoiriens au nom du PDCI, l'ancien parti unique. Son adhésion au RDR en 94 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors, Henri Konan Bédié. Avec les accords de Marcoussi de 2003 et sur proposition de Guillaume Soro, le jeune bagarreur intègre le gouvernement d'Union nationale en tant que ministre des nouvelles technologies d'information et de communication. Ambak en profite pour développer ses relations avec le FPI de Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État apprécie ce jeune homme qui continue à lui servir du monsieur le président quand ce dernier est détenu à l'hôtel du Golfe suite à la meurtrière crise post-électorale de 2011. C'est justement cette même année qu'Ahmed Bakayoko prend du poids politique en devenant ministre de l'Intérieur, une nomination qu'il doit en partie à sa proximité avec la nouvelle première dame, Dominique Ouattara. Désormais dans le cercle des intimes du chef de l'État et suite aux mutineries de 2017, Bakayoko prend la tête du ministère de la Défense, est élu maire d'Abobo avant sa propulsion à la primature en remplacement d'Amadou Gon Koulibaly, brusquement décédé en juillet 2020. À défaut d'un parcours académique brillant, l'autodidacte a toujours misé sur son culot et ses talents de médiateur. L'opposition le considère comme un modéré, celui à qui l'on peut parler. C'est d'ailleurs à Bakayoko que s'adresse Laurent Gbagbo depuis la Belgique pour organiser le dialogue politique suite à la présidentielle de 2020, émaillée de violence. Réputé pour sa simplicité et son goût de la fête, Ambak reste très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne et du milieu de la musique. Sa disparition brutale stoppe une ascension que beaucoup voyaient se poursuivre jusqu'à la fonction suprême. Sidi Yansani, Abidjan, RFI. Et ce soir, Alassane Ouattara rend hommage à Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Déclaration du président ivoirien dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. La disparition d'Ahmed Bakayoko qui intervient politiquement, on le rappelle, au lendemain de l'annonce des résultats des législatives emportées par la majorité du président Ouattara. Alors, la disparition. Je tiens aussi à saluer ma soeur Gisèle Aigret. Gigi, comment tu vas? Bonjour Yvette Bédier et Yvette Béda, bonjour. Alors, vous avez entendu avec moi l'hommage que a rendu ses camarades blancs. Parce que, étant l'ex-premier ministre du régime de Ouattara, les Blancs ont fait en même temps la biographie d'Ahmed Bakayoko en deux lignes rapides. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas mentionné de dire qui ou bien comment ils le voyaient. Ils l'ont traité de bagarreur. Ils l'ont traité d'autodidacte, quelqu'un qui n'a pas terminé ses études. Ils ont dit que c'est Soro Guillaume qui l'envoie au gouvernement. Et j'en passe, et j'en passe. C'est avec ces mots-là que je vais parler à Dame Yolande Bakayoko et à ses pères du Ouroudougou. Mais avant pour faire quelqu'un qui s'exprime en public, je voulais aussi vous lire une dépêche d'un doyen qui s'appelle autre que Monsieur Mahamadou, qui est ami à Ahmed Bakayoko, ou du moins qui était ami au Golden Boy, comme il appelle. Je vais vous lire ça. Il s'appelle Mouhamadou Soumaoro. Regardez ça. Alors, Dame Yolande Bakayoko, grande sœur, Yo Queen, écoute-moi bien. Je suis en train de te donner succinctement qui est ton mari, peut-être le mari que tu as épousé, le mari de tes rêves, le mari de ton amour. Pour comprendre un peu
Ce que nous, les Ivoiriens, nous avons à te dire, à toi et au Ouagadougou, de notre aujourd'hui, notre blessure, notre désarroi, et de comment nous vivons ce deuil que tu partages. Humainement parlant, je t'ai expliqué les hommages que lui ont rendus ses amis, qui n'ont pas manqué de dire qui il était. C'est sa croix. Maintenant, je vais te lire un passage de ce mari-là, qui peut être l'idole de certaines personnes. Parce qu'on dit, même le Satan a des adeptes. Alors, lisons ensemble les éloges, sinon les hommages que son frère Muhammadu Soumaoro, journaliste, enquêteur, un peu à la trempe de Chris Chappi et Da Silva qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes éloges. Écoutez-moi très bien. Jeune, tu m'appelais Koro. Jeune, on causait souvent de moi et tu me disais, celui-là, je donnerai tout pour passer 30 minutes avec lui. Et je te disais, sûrement lui aussi. Jeune, tu étais le tout jeune PDG de Nostalgie. Nous nous amusions, cigare à la bouche, avec Yves Obo Junior, et rêver que l'avenir est à nous. Tu as fini Premier ministre, toi, le demi-dieu, quel parcours. Les mots me manquent pour résumer ce que tu as fait. Quand dans la nuit du 10 avril 2011, lorsque l'ambassadeur de France nous annonçait la fin, tu as tout de suite demandé, et le président Gbagbo, on a fait quoi? Le regard du mentor Alassane Dramane Ouattara t'a fait comprendre que ta question était malvenue. J'ai appris plus tard que Soro, Ouattara et toi avez convenu de vous protéger, que vous protégeriez coûte que coûte, à la différence de Tagro, sa mort ne vous saliera pas. Ahmed Ambak, tu as personnellement pris le temps d'appeler minute après minute Veto et Ouattara pour t'assurer que rien ne lui arrive. Colonel Yeo, tu t'en souviens? À l'arrivée au golfe de Simone Gbagbo, alors que les gens voulaient la lyncher, tu as enjoint personnellement Ouattara de mettre fin au supplice. Et le regard de la première dame t'avait fait te retirer pour couler une larme. 10 ans plus tard, ce sont mes larmes qui coulent. Mon général Koulibaly, ton fils s'en va. Il rejoint Ouattara. C'est vrai qu'il t'a déçu. C'est vrai que tu t'es senti trahi. Mais souviens-toi de ton bon petit. C'est lui qui est là au charbon pour toi. C'est lui qui vous a sauvé, le général Palanfo et toi. Jeune, aujourd'hui je vais t'appeler mon Viep, parce que tu nous as devancé. Nous espérons, nous osons croire que tes enfants, que ton épouse Yolande, ne subiront pas ce que vivent les descendants de Ouattara. Va-t'en Ambak, va-t'en le Bachégué, va-t'en le Golden Boy, va-t'en le père du Zeus, va rejoindre le Daishikan, j'imagine déjà le show de l'autre côté. Séguéla te pleure, Abobo te pleure, la Chine entière te pleure, la Côte d'Ivoire te pleure. Ntogo Muhammadu Soumaoro, fils de Mao, chinois. Bon, assez d'émotion. Pour apaiser cette émotion, mesdames et messieurs, permettez que moi aussi, cette émotion en moi puisse se dissiper pour mener à bien ma vidéo. Assez d'émotion. Thank you.
grand soeur Yolande. Sur ces deux lignes, je t'ai dit et je t'ai expliqué qui est Ahmed Bakayoko, le mari que tu aimes. La bonne face, la belle face. Et maintenant, je vais te dire qui est Ahmed Bakayoko pour nous les Ivoiriens. Pourquoi je le fais comme ça? Je le fais comme ça, comme je t'ai dit, après t'avoir parlé de ce que c'est que la croix, le karma ne se partage pas. Je le dis pour Ahmed, comme je l'ai dit hier, pour Gon Coulibaly. Le karma, il ne se partage pas. Tout ce que nous faisons en tant qu'hommes sur cette terre, nous allons payer ici. Ou bien nos descendants vont le payer. Ou bien nos petits-enfants vont le payer. Tout ce que nous faisons sur cette terre, soit nous payons de nos ancêtres ou de nos grands-parents. Dame Yolande, ton mari, Ahmed Bakayoko, a porté sa croix. Et ton mari, Ahmed Bakayoko, porte son karma. Le karma, tu as beau être sa femme, tu ne pourras le partager avec lui. Parce que c'est des choses qui sont reliées à la spiritualité. Quel acte Ahmed Bakayoko a posé pour qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens ne veulent pas partager son deuil? Quel pas il a posé vis-à-vis de ses frères pour que certains Ivoiriens ont même la velléité de se réjouir qu'ils soient partis? Est-ce que tu sais que toute la prière de la majorité des Ivoiriens, c'est que Ouattara parte? Est-ce que tu sais que toute la prière de la majorité des Ivoiriens est que la Côte d'Ivoire reluise de nouveau? Est-ce que tu sais que la prière de la majorité des Ivoiriens est de voir enfin les fils du Nord, les fils du Sud, les fils de l'Est, les fils de l'Ouest et les fils du Centre réunis? Alors, lorsqu'on sort de telles prières, on ne peut pas se dédire. Moi, Baba Nicolo, je ne peux pas me dédire. Je ne peux pas me dédire, d'autant plus que maintes fois, j'ai parlé à mes ancêtres. Je ne peux pas me dédire, d'autant plus que maintes fois, j'ai versé du djinn pour que mes ancêtres puissent exaucer mes vœux. Et mes vœux, c'était d'arrêter Alassane Dramane Ouattara. Si Ahmed Bakayoko, ton mari, fait partie de la réussite de ce vœu, si Ahmed Bakayoko, sa mort, peut accompagner Ouattara hors de la Côte d'Ivoire, alors maître ivoirien et plusieurs Ivoiriens ont contribué à ce vœu-là. Et ils ne peuvent pas se dédire. Sauf que, il est important de le dire pour tous ceux qui aujourd'hui sont encore aveugles autour de ce diable qui est autre que Ouattara, celui qui a tué ton mari. Il y a encore beaucoup d'Ivoiriens, pour la majorité du Nord, qui sont encore avec Dramane Bessé et sa femme Eve Noviane, qui étaient les pères et les mères de ton mari Ahmed Bakayoko. Et cette vidéo, à travers toi, c'est pour m'adresser à eux. Yolande, comment est-ce qu'aujourd'hui tu te sens? Comment te sens-tu aujourd'hui? Te sens-tu trahi? Te sens-tu en deuil? Te sens-tu éhonté? Le ferais-tu si c'était à refaire? Dame Yolande Bakayoko, je m'adresse à toi en tant que Akan pour te dire, lorsque, et avec toi, et avec certaines autres sœurs qui te suivent, vous avez la chance de changer l'avenir de votre pays. Pourquoi vous tournez le dos à vos pays? Ne dit-on pas que la nuit porte conseil et que ce conseil vient de nos femmes? Ne dit-on pas que derrière une femme, ne dit-on pas que derrière un homme se cache une femme de feu, une grande femme? Où étais-tu quand la Côte d'Ivoire avait besoin de toi, Yolande? Où étais-tu lorsque les Ivoiriens pleuraient et cherchaient l'union? Où étais-tu en tant que femme, fille de Côte d'Ivoire,
Lorsque ton mari était en train de s'égarer, Yolande, où étais-tu? Tu aurais pu sauver tes parents. J'ai appris que tu serais une femme à Caen. Eh bien, en tant que à Caen, je m'adresse à toi et je te parle. Je te parle en tant que à Caen et en tant que frère pour te dire que chez nous, lorsque quelqu'un décède, on demande à ses parents de payer ses dettes. Avant qu'on enterre cette personne, on demande au village à qui est-ce que le défunt doit. Et je te parle comme quelqu'un à qui ton mari doit. Chez nous, chez les Akans, quand quelqu'un meurt, on demande est-ce qu'il a un enfant qui n'a pas reconnu. Pour que s'il y a un enfant qui n'a pas reconnu, on le ramène à la famille avant qu'on l'enterre. Je te parle comme quelqu'un qui est un enfant non reconnu de ton mari. Chez nous, les Akans, quand quelqu'un meurt avant qu'on l'enterre, on essaie dans le village de résoudre tous ces problèmes. Et je te parle en tant que quelqu'un qui veut dire les problèmes qui doivent être résolus avant qu'on enterre ton mari. Yolande, Ahmed Bakayoko, comme je l'ai dit, même le Satan a des adeptes. Ahmed Bakayoko fait partie de ces Ivoiriens que beaucoup d'Ivoiriens aiment, beaucoup d'Ivoiriens respectent. Mais Ahmed Bakayoko fait partie de ces Ivoiriens-là qui ont blessé et déçu beaucoup. Lorsqu'ils étaient dans les guéguerres pour arriver au pouvoir, sous prétexte que le Nord était délaissé, il avait ses frères Ibé. Où est-il aujourd'hui? À Sala. Il avait ses frères Ouattaro. Où est-il aujourd'hui? À Sala. Il avait ses compatriotes, ses confrères, ses collègues. Gon Koulibaly, où est-il aujourd'hui? À Sala. Il avait son frère Soro Guillaume. Où est-il aujourd'hui? À Borila. Et beaucoup, je peux citer. Certains sont mal au point, comme le ministre, le président de l'Assemblée nationale. Pour te dire, Yolande, les vœux, les souhaits que nous avons faits à Dieu pour que Ouattara tombe, ces souhaits-là sont les piliers qui sont en train de tomber. En tant que ton jeune frère Akan, je ne peux que humainement te dire, Yako, à toi et aux enfants qui n'ont rien à voir dans le choix de leur père. Je ne peux te dire que Yako, à toi et à ta famille qui n'ont rien à voir dans le choix de ton mari. Mais je veux te dire que tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu nous aider. Tu aurais pu t'éviter ça toi-même. Parce que tu as été témoin de tous ces frères d'armes qui sont tombés, tous ceux qui ont fui Yolande. Yako à toi. Et à travers toi, toutes les autres femmes qui aujourd'hui sont sourdes à protéger des Burkinabés qui nous tuent jour après jour. À protéger des Guinéens qui nous tuent jour après jour. À protéger des Maliens qui nous tuent jour après jour. Alors, tous nos sœurs qui sont autour de ces hommes-là, à travers Yolande Bakayoko, je m'adresse à vous. Parce que demain, chacun va porter sa croix, chacun va porter son karma. Et en ce moment-là, ne cherchez pas la compassion des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens en ont connu beaucoup. Ils en ont connu des gens humiliés, comme le président Laurent Gbagbo. Ils en ont connu des gens assassinés, comme Tagro, comme Boga Doudou, comme Gueye Robert, comme Mamadou Ben Soumaoro et j'en passe, comme Abdelmane Sangaré. Ils en ont connu beaucoup. Certains sont encore en prison par la faute de ces mêmes jeunes-là qui veulent la richesse à tous les coups, comme Ahmed Bakayoko. Beaucoup de jeunes sont en prison par leur faute. Beaucoup sont en exil par leur faute. Beaucoup sont orphelins, orphelines par leur faute. Alors aujourd'hui, cette croix qu'ils portent, j'espère que cette croix servira de leçon à tous ceux qui, comme lui, ne comprennent pas que la patrie, c'est pour la vie ou pour la mort qu'on la défend. Camarades, voilà le message que je passe à Dame Yolande Bakayoko. Tout en lui disant humainement, africainement parlant, Yako. Mais Dame Bakayoko, tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu éviter à ton mari cette souffrance. Tu aurais pu éviter à tes enfants cette souffrance. Tu aurais pu t'éviter toi-même cette souffrance parce que tu es une femme. Et on dit derrière un grand homme, tu es une femme de feu. Et toi, tu avais toute la largesse et toute la latitude de le faire. Hélas, hélas, les ancêtres ont voulu ainsi pour exaucer nos souhaits. Moi, Papa Nicolo, je ne peux pas faire des prières vis-à-vis de
celui contre qui j'ai fait des prières pour que Alassane Ouattara dégage. Ceux qui en ont fait de ces prières-là, j'espère que leur prière va être exaucée pour que Ahmed Bakayoko puisse humainement reposer auprès de ses ancêtres, auprès du Tout-Puissant et auprès de son fils Arafat Didier, que hélas, hélas, est passé avant lui. Quand je finis de m'adresser à Adam Yola, je vais parler au Ouagadougou. Mes papas et mes mamans du Ouagadougou, comment vous sentez-vous? Comment est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Vous êtes réveillé triste. Le Ouagadougou vient de perdre encore un de ses enfants. Le Ouagadougou est content de ce qui lui arrive. Vous étiez là quand Ahmed s'égarait. Après Ahmed, il y a beaucoup de vos enfants qui sont encore en train de s'égarer. Normalement, c'est de l'expérience qu'on vit. C'est des erreurs qu'on se refait. Alors je m'adresse au Ouagadougou pour leur dire, il faut que ils sachent que ce qui arrive à Ahmed et leur tristesse est aussi de leur faute. Parce que quand on a un enfant qui s'égare, on est la première personne à le ramener sur le droit chemin. Et Ahmed, vis-à-vis des Ivoiriens, s'est égaré. Ahmed, vis-à-vis des Ivoiriens, est allé trop loin. Ahmed, vis-à-vis des égarés, des Ivoiriens, a blessé des familles, des pères, des mères, des enfants. Et le Ouagadougou était là. Aucune personne dans le Ouagadougou l'a amené sur le droit chemin. Vous voulez que les Ivoiriens compatissent à votre douleur? Apprenez-vous à vous-même. Frère du Ouagadougou, frère du Nord, vous voyez, notre patrie, nous allons le partager ensemble, qu'on le veuille ou non. Notre patrie, nous sommes obligés de vivre ensemble, qu'on le veuille ou non. À aucun moment, on ne pourra enlever les bêtises de la Côte d'Ivoire. Ni les Adukru, ni les Guéré, ni les Tabana, ni les Sénoufo, ni les Koyaka, ni les Abouré, ni les Ati. À aucun moment. Alors, quand vous avez un enfant qui s'égare, il faut le mettre sur le droit chemin. Donc le Ouagadougou est responsable du deuil de Yolande Bakayoko. Le Ouagadougou est responsable du deuil des enfants Bakayoko. Le Ouagadougou est responsable du deuil de leurs enfants qui aujourd'hui sont partis de vie à Tripa. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez donné vos enfants, sacrifié vos filles, sacrifié votre dignité, sacrifié votre amour pour la patrie. Vous avez sacrifié l'amitié qu'il y avait entre vous et vos frères que nous sommes au nom d'une seule personne, un Burkinabé qui ne fait que transvaser sa génération. Aujourd'hui, son fils, Tene Burema Ouattara, a tué votre fils. Aujourd'hui, le fils d'Alassane Dramane Ouattara, Burkinabé pur sang, a tué votre fils, Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, vous pleurez, Tene Burema Ouattara et son père, Alassane Dramane Ouattara et sa femme, Noviane Moussogbe, se réjouissent. Aujourd'hui, vous pleurez, les régions de la Côte d'Ivoire vous regardent et se demandent s'ils doivent pleurer avec vous ou non. Alors, le Ouagadougou, vous êtes responsable de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, humainement parlant, fils de Côte d'Ivoire, de région, de toutes les régions, nous sommes tristes. Parce que Ahmed Bakayoko, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, il sera dit que c'est un Ivoirien. Alors, chers parents du Ouagadougou, il faut vous en prendre qu'à vous seul. Vous avez les larmes pour pleurer aujourd'hui. On se pose la question si on doit pleurer avec vous ou non. Parce que votre fils n'a pas laissé de beaux pas. Chez nous, avant d'enterrer un homme, on vient dire sur son chevet ce qui est bon ou mauvais. Et c'est ce que je vous dis. Je vous parle en tant que fils de Côte d'Ivoire, en tant que Adjoukou et en tant que Aka. On ne peut pas se dissocier, nous avons le seul pays. Alors, nous vous attendons. Nous n'allons pas laisser Alassane Dramane Ouattara nous tuer un après l'autre. Et personne ne viendra faire ce combat à votre place. C'est à vous, fils du Ouagadougou, c'est à vous, père du Ouagadougou, c'est à vous, mère du Ouagadougou, de nous montrer la voie. Le jour où vous êtes prêts, nous serons prêts. Parce que quelle que soit la colère qu'on a contre une mère ou un père, on ne peut jamais, jamais laisser son père se faire tuer, se faire battre. On ne peut jamais laisser sa mère se faire violer. Même si nous ne sommes pas contents du Nord, le Nord fait partie de nos parents. Alors, peuple du Nord, c'est à vous que revient cette nouvelle partie. Dès que vous vous levez, nous aussi on se lève. Je suis Okosi Baba Nicolo, Etio Okwe, Erio Okwe, Adjé Protoli, Tetibetif, fils d'Afrique et fils de Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Mpo. Thank you.
Alors, que nos ancêtres puissent nous faire voir la réalité de notre vie et que chaque Ivoirien et que chaque Africain et que chaque homme puisse poser des pas et faire des choix qui vont l'amener demain à laisser un nom positif sur sa vie et sur son existence. Que Dieu vous bénisse et les ancêtres soient toujours avec vous. Ciao, ciao.